Bonjour, il y a quelque temps, je vous ai présenté une action base avec trois hexagones, le modèle numéro 4 noir, en vous disant que je vous présenterai un petit peu ce que ça peut donner. Bon, alors je vous avoue que les nombreuses fonctions, les nombreuses options qu'il est possible d'utiliser sur cette action base font que j'aurais vraiment beaucoup de mal à vous présenter tout ça. C'est pas du tout mon truc. C'est quelque chose qui est beaucoup trop pas compliqué, mais disons que ça demande une forme de discipline qui n'est pas la mienne. Et je me suis décidé à vous montrer ce que j'avais utilisé finalement au Picasian Show. J'ai complètement oublié de vous filmer ça sur place, ce qui aurait été quand même nettement plus pratique. Et il se trouve que je suis tombé sur cette idée d'essayer d'utiliser un maximum les options pour y mettre un maximum d'objets. Et il se trouve que je peux pas mettre plus de deux maquettes ou un 144 en tout cas. Sont pas spécialement légères celles-ci, mais je peux rajouter un véhicule qui est le Core Fighter du Double Zeta Gundam. Et donc là, vous voyez que ça tient très très bien. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer ça avec les images, ça m'évitera de tout remettre. Mais donc, vous normalement, vous êtes supposé n'avoir que cette possibilité-là, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi, comme c'est indiqué ici, le faire pour deux mécas. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des bras, chacun des éléments du bras, peuvent devenir un socle, un support en lui-même. Et il suffit de rajouter les autres trucs qui permettent de mettre ça plus ou moins haut, ou plus ou moins bas, pour faire non plus un seul support, mais deux. Mais il se trouve que j'ai rajouté du coup carrément ce bras-ci. Et c'est quand même très pratique, mais pour mettre des accessoires, on va dire. Alors effectivement, on n'est pas obligé, mais alors pas du tout obligé de mettre les trois hexagones comme ceci, on peut les mettre dans d'autres positions, hein. Il y a énormément d'options qui permettent de faire tenir ces maquettes. Donc, des espèces de pinces, d'adaptateurs pour mettre entre les jambes, on va dire, du méca. Enfin, il y a quantité de pièces qui permettent de faire beaucoup d'options. Et ça rend vraiment, vraiment, vraiment pas mal. J'ai vraiment pas envie de me compliquer la vie à vous montrer tout ce qu'il est possible de faire avec. Notez juste que effectivement, bon, pour moi, c'est du tout bon. C'est même nettement plus intéressant que ce qui se faisait avant en action base, que ce soit en petit ou en grand. Par contre, il me faut justement montrer ce que ça donne avec les action base classique que je connais depuis une dizaine d'années, et peut-être vous montrer aussi d'autres options avec non pas une action base, mais des socles proposés par nos amis de Kotobukiya. Alors je vous avoue que je ne sais plus du tout s'il s'agit de l'action base 1 ou 2, mais en tout cas c'est la plus classique qu'on peut trouver depuis de nombreuses années. Et les choix sont quand même relativement limités. Par contre, c'est parfait pour tenir un Gundam au 1/100. Il y a tout ce qu'il faut pour régler ça ici en hauteur. Là aussi, de ce qu'il faut pour coincer ce bras télescopique. Voilà. Et il y a même une petite plaque qui permet de. Alors évidemment, ça tient pas correctement. Une petite plaque qui permet de nommer son méca si on s'est décidé. Ça, je ne sais plus sincèrement à quoi ça servait, peut-être à remplacer ce piston. Mais bon, voilà, c'était ce qu'on trouvait avant et on reconnaît effectivement l'hexagone, mais c'est en plus petit, on va dire. En plus grand, pardon. L'action base numéro 4, par contre, c'est des hexagones beaucoup plus petits. Et vous noterez qu'il y a là-dessus
des tas de détails, on va dire mécaniques, qui font penser à des tuyaux, des plaques d'usine ou quoi. C'est pas mal du tout, mais bon, c'est moins fait pour le 144 que pour le 100e, voire carrément le Perfect Grade. Il y a quantité de choses à faire dessus, mais on n'en a pas fini. Je me suis dit qu'il fallait que je vous montre donc ce qui peut se passer avec les socles de Kotobukiya. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais vous voyez, c'est quand même nettement plus simple. C'est un carré. Il y a un bras articulé avec différentes options disponibles pour tenir, encore une fois, ces mécas préférés. Donc aussi bien un petit plot pour pouvoir placer dans l'entrejambe de nos mécas, ou différents petites pinces qui permet là aussi de les stabiliser. Et il se trouve que bon, c'est pas si cher que ça, si je me rappelle bien. Je vais d'ailleurs regarder là, voilà, c'est à 630 yens, et les solutions de Bandai, elles sont pas si chères que ça non plus, sont à 600 yens. Alors c'est rigolo parce que moi je préfère ces trucs là, mais c'est nettement plus cher que les solutions de Bandai. C'est simplement que ces trucs là bah, on peut les arranger plus facilement, plus concrètement, et j'aime beaucoup la simplicité de ce design, alors que ce qui est proposé par Bandai est peut-être moins cher, mais ça, pour moi, ça me convient moins, parce que trop d'options, parce que trop de cliquetis, trop de réglages à faire. Alors que là, bon, voilà. Alors, évidemment, c'est peut-être pas nécessairement le plot qu'il faut. Voilà. Je viens de le faire ici, avec ce mobile suit de Iron Blood Orphans. Et c'est fait immédiatement, et on se pose plus de questions. Voilà, donc c'était la présentation de ce que donnait finalement l'Action Base numéro 4, avec éventuellement d'autres options proposées avec les précédentes Action Base de Bandai, et la possibilité d'avoir aussi des stands chez Kotobukiya. Donc pour ceux qui se demanderaient et qui sont japonisants, il s'agit de ceci, voilà, dans la collection Modeling Support Goods de Kotobukiya. Et donc voilà, bah j'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux objets autour des maquettes.